Bon lundi soir, tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Moi, je me suis pas mal certain là, qu'il y a bien des entrepreneurs qui étaient soucieux en cette fin de semaine. On vous a souvent parlé de ces fameux comptes d'urgence pour les entreprises canadiennes, qu'on appelle souvent les prêts COVID. Eh bien, la date limite pour les rembourser sans intérêt, c'est ce jeudi. Hein. Après cette date-là, bien, ça devient un prêt à 5 % d'intérêt et surtout, il y a un 20 000 $ en subvention qui redevient un prêt à rembourser. Alors ce soir, plutôt que d'en parler avec un expert, on a demandé à deux entrepreneurs de nous expliquer leur réalité. Et on débute ce soir avec Linda Tauvette, qui est propriétaire de Linda Entretien. Bonsoir, Linda. Bonsoir. Merci de prendre le temps de nous parler ce soir. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas encore été en mesure de rembourser votre prêt. J'imagine que c'est un stress énorme, là. Énorme depuis des mois. J'ai déjà remboursé 11 500. J'ai dû restructurer l'entreprise. J'ai cherché de l'aide auprès de Service Canada, tout ça, pour avoir plus d'aide. Malheureusement, il n'y a rien qui est prévu à cet effet-là. Donc là, si rien se passe dans les prochains jours, prochaines heures, êtes-vous capable de garder la tête hors de l'eau malgré l'intérêt et le capital à rembourser? La seule possibilité qu'il va me rester, ça va être d'arriver et de faire affaire avec Easy Financière pour éviter d'avoir 20 000 de plus à payer en mettant ma maison en garantie. Donc, c'est au-dessus de 45 000 entreprises qui risquent de fermer, des centaines de milliers d'emplois qui risquent de se perdre, d'augmenter le chômage, faire perdre des revenus à l'État. Ça ne nous aidera pas à payer les hausses de salaire, la crise du logement, les hausses de frais de santé. Là. Donc, vous avez en plus d'augmenter la dette. Donc, autrement dit, vous n'avez pas été en mesure de vous entendre avec votre institution financière pour justement transférer ça en prêt à plus long terme? Malheureusement, non, parce qu'avec la hausse des salaires, tout ça, ça a engendré des frais qui ont créé un endettement et une baisse de revenus, ce qui fait que je ne me qualifiais pas pour un prêt ordinaire. D'où le point d'arriver et de me retourner vers les aides financières, ce que normalement, on ne conseillerait pas à personne. Et là, quand vous regardez les prochains mois, vous voyez ça comment? Avec beaucoup d'insomnie, puis c'est sûr que ça va engendrer d'autres problèmes pour continuer à arriver puis à essayer d'être solvable malgré tout ce qui a été essayé. Puis je comprends vraiment pas que le gouvernement, c'est pas de pousser la date d'échéance, c'est pas d'annuler la partie qu'on doit rembourser, c'est juste de donner un délai raisonnable puis des conditions favorables pour que les entrepreneurs puissent le rembourser, admettons, à temps par mois, pareil comme on ferait si on ne peut pas payer les impôts d'un coup. Puis de cette façon-là, ben, on pourrait récupérer au moins ce que les entreprises qui sont fructueuses sont capables de payer au lieu de les laisser mettre ça à la banque en repoussant l'échéance pour tout le monde et faire des profits avec l'intérêt. Fait que c'est ça l'injustice de la situation présentement. Parce que vous, de votre côté, est-ce qu'au final, ça pourrait mettre en péril la survie de votre entreprise? Peut-être vous forcer à mettre la clé dans la porte, là? Bien, ce que ça me forcerait, c'est possiblement soit vendre ma maison ou sinon arriver puis aller voir les aides financières. Mais même si je mets la clé dans la porte, déjà là, j'ai licencié mes employés parce que je n'avais plus les moyens de les payer pour être capable de rembourser une partie de l'emprunt. Donc, de fermer l'entreprise n'est pas une solution, mais par contre, le coût va être très élevé. Là. Parce qu'on entendait plusieurs entrepreneurs depuis le début de la pandémie qui mentionnaient que cette subvention-là, ce prêt-là, était essentiel à la survie de leur organisation. Ils ont donc utilisé l'argent, ils ont eu besoin de cet argent-là, mais de recréer cette liquidité, d'aller chercher un 40 000 supplémentaire, c'est pas évident. Et c'est votre cas, là, c'est ce qui s'est passé. Absolument. Je suis en affaires depuis 2008 et en tant que travailleur enregistré, on n'a même pas le droit de se déclarer le salaire minimum à 40 heures semaine, même si on a travaillé au-dessus de 45. Donc, ouais. Je me suis ramassée avec des années en bas de 20 000 de profit net, ce qui a constitué mon salaire. Donc, c'est pas le manque de volonté. J'ai vraiment tout essayé et j'ai déjà remboursé 11 500. Mais ce serait à moins des choses que le gouvernement nous permette arriver d'avoir un échéancier pour le rembourser. Un coup de pouce. Un taux, peut-être admettre un taux de 5 % mais sans perdre la subvention de 20 000 $. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci de nous avoir partagé votre réalité ce soir. Je vous remercie beaucoup de l'invitation et de l'attention portée. Merci à vous. Et on passe d'ailleurs d'une réalité à l'autre. On vous présente celle maintenant de Sylvain Clich, qui est président du conseil d'administration du club Ski Beauce. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Simon. Bonsoir à tous. De votre côté, vous avez été en mesure de rembourser, mais c'était loin d'être simple.
Non, ça a été. On a pris toutes les moyens pour pouvoir être capable de rembourser, mais finalement, nous, la municipalité de Vallée-Jonction, nous a donné un bon coup de main à ce niveau-là. Puis nous, c'est un petit organisme, un OSBL qui est connecté un peu avec la municipalité, mais on a pu prendre une entente avec la municipalité puis pouvoir régler. On a réglé ça tout dernièrement. Là. Donc, c'était plus avantageux de contracter un prêt avec la ville, finalement? Effectivement, c'est sûr qu'on avait tout regardé les options avec les autres banques. Maintenant, on a procédé avec la ville là, qui était plus simple. Puis, bien sûr, nous, notre station de ski, par contre, elle fait partie du côté municipal. Elle est âgée de plusieurs années, ça fait que la municipalité était là pour nous. Il y a plusieurs personnes qui réclament, on l'entendait tout à l'heure, un report de la date limite de remboursement. Vous qui l'avez remboursé, vous voyez ça comment? Bien, effectivement, c'est sûr qu'on aurait pu travailler avec puis de retarder notre prêt, puis de pouvoir fonctionner. C'est ce qu'on allait contracter, qu'on ne pouvait faire, mais c'était très, très difficile, un peu comme la dame parlait avant. Nous, on a pratiquement manqué 2 ans d'opération avec le COVID. Puis pour nous, ça nous a affecté beaucoup dans les différentes activités de recrutement, puis le kit, fait que... On a dû là, employer la subvention, là, puis on a effectivement dépensé la subvention assez rapidement dans nos 2 ans. Fait que pour faire le remboursement de ça, ben, là, c'était plus compliqué parce que pour remonter puis regagner ce que ça a coûté, ces périodes-là, pour des entreprises qui on travaille tous les jours pour pouvoir rentabiliser notre chose. Fait que c'était pas très facile. Là. Ça va aller sur 2 ou 3 ans avant qu'on puisse sortir de ce gouffre-là. Ouais, situation qui n'est pas évidente pour bien des entreprises au Québec, au Canada. Merci d'avoir pris le temps de partager votre réalité avec nous ce soir. Très bien. Plaisir. Merci.